C'est lors de ses vœux 2014 qu'Hervé Bouhery nous a fait découvrir le nouvel espace culturel et d'animation qu'est la Halle de Messanges. C'est parce que nous avions déjà des activités sur ce site, mais qui n'étaient pas très sécurisées, notamment. Quand il pleuvait, évidemment, les manifestations ne pouvaient pas bien se dérouler. Nous avions aussi un marché qui était à côté du hall des sports, mais qui était sur une partie en gravillon, donc pas aux normes sanitaires. Donc l'ensemble de ces demandes ont fait qu'on a envisagé de faire cette halle, de la créer. En juillet 2013, ils installaient le toit. 6 mois après, ce lieu de partage est prêt à recevoir ses animations. Il va y avoir des marchés, des manifestations d'animation culturelle, sportive, des concerts, il peut y avoir toute une batterie d'activités. On finit le mandat sur une belle réalisation. Elle n'avait pas été calculée dans notre programme, mais c'est la demande du monde associatif auquel on tient beaucoup qui a fait qu'on s'est engagé dans cette construction. L'activité est riche et dynamique, il y a une vingtaine d'associations et qui proposent beaucoup de choses et beaucoup de services. Un grand espace à l'abri des intempéries, ce qui promet de belles soirées. Des travaux menés à bien, des objectifs pour la plupart atteints, alors ça donne envie de continuer parce que nous aimons Messanges et nous tâcherons de vous convaincre qu'avec votre concours, avec votre confiance, à l'écoute de vos besoins, nous pouvons continuer à œuvrer pour le bien de vous toutes et tous.